Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko, la politique de double standard de l'Union européenne oyokaka dévoilée sous pression, suivez le message à Kagame. Bandeko ba comme une pression ko sakana ngote siko boyoka oyelobami a toko divisango en deux toko yoka nanu pression o bazanango malobo bakati et puis après toko ya na Thierry Mariani oya Yindi si Bandeko dévoiler la politique à double standard. Alors, tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, RDF 1-23 en cycle Bandeko, déploiement de la SADEKO front à Sake et à Nirangongo. Et puis, Tokoloba sur arrivée, Yako Sakanati, Bandeko, la délégation, Yaba pays Oyo, Ya SADEK, Baza, Nagoma, Pona Masolo, je crois bien. Une opération qu'on a lancée. Parce que l'heure est grave. Kalate, biloko moto. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission d'Abissé Bandi. Et comme tant cela ensemble, la situation politique en RDC. Bandeko, toko banda directement émission d'Abissé sur l'Union européenne. La politique des doubles standards de l'Union européenne au bazo sala en Afrique. Et comme Sony Pemawa. Alors, maintenant, baza sous pression, na ba aventure ba sa na Kagame, monde comme koloba, bango moko siko débat na katini européenne. Bande ko tala, nzamba za bien. Débat na no ba conclure que bango ne ba convaincre motuna bango azabilo kona ya abima na RDC. Ils ont même exigé après débat, parce que d'abord, débat banaki na ba critique. Ba lobeli bango si la politique à double standard. Tango ba lobi Thierry a eu message à lobi Union européenne kao debu. Oyo kama watu. Ale mbala moko, Borel oazo dirige bango na katia Union européenne. Alors Borel a dit maloba ete et komita Kagame. N'a pas quitté RDC. Chose oyo congolais moko ta kondima yango. Mais situation ezaki pena mobulu. Vous comprenez qu'après avoir signé tous ces contrats, le chef de l'État pour le moment est à Bruxelles. La situation ezo salama onyo so bandeko za soma. Mokonza mboka azo continuer diplomatie. Cette fois-ci, na kati Union européenne. Union européenne, eza ya konyingana. Yangotina, débat et salamaki. Sur le débat, si vous m'amonez que non, bah, c'est une erreur. Ça se voit clairement, même pas erreur. Plan na bango eza dévoilé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut qu'on corrige. Bah, qu'on corrige en comment? Dango ce que vous avez action, moko direct contre Kagame. Yango de l'on a pourquoi tu vas la yango? Est-ce que la politique à double standard que l'Union européenne est en train de mener et cause un impact en disant Kagame de quitter le sol congolais? Est-ce que Zaka Kaba Mascarezo continue mais à niveau moussous? Est-ce que Bisso Benaton dit ma Union européenne va koloba? Je ne suis pas sûr. Mais l'émission, tu comme cas décryptage, tu comprendre que ce n'est pas au juste. Pourquoi d'abord l'Union européenne va commettre un problème sur lui? Pourquoi pression comme Makassi le Corona Bango? Parce qu'ils ont signé un contrat. Et le président à Bruxelles a lui contrat, il faut pas annuler. Et lui, il comme si bon l'acceptation un message. Bon, là, ce soit papier, on va annuler le contrat. Match, c'est ça, mon boulot. On va pas la RDC, on va comprendre ce qui se passe. Bah, on dit, mais là, on te mène, non, le bas, il s'en a, t'as la journaliste. Bah, toi, n'a pas qu'on change, t'es.
tant que but na bango bazana ngona ne simbité bazana problème sérieux balamboka na utola ndekonomisme au congolais alobi boui alotala makambo bozomona oyu la guerre à l'est et tout ça élection na bisoka ke utkoleka élection elingé salamati parce que bazai na problème bazai na ba doute la communauté internationale sur d'abord un bango bazai komona ke makambo elika na EDC weka vérité des urnes et tout ça autorité de l'état nini crédibilité fachi et tout ça maintenant élection et salami ba komi juste parce que l'élection en Isaki ya ko sakanati Elien ko salamati. Zomona. Parce que ebele bazai koloba ko fachi basala ki baje na tous. Alors maintenant balinga ke élection salati. Élection salami. Batumaye le sili. Et puis salami na niveau moko kitoko à tel point que le président bimina ba pourcentage ebele. Monza menenga sala. Donc maintenant, ça est confondu. Parce que la politique a double standard au Occident, et mon ami est déjà dans le Sabbat. Et maintenant, le Congolais est un peu plus grand. Il a voté à peu près sur combien de 73% de l'année salamati. Et maintenant, a tsongeli boulo wana sikoyo bato wana bakomina problème bo comprendre ki bino bozai ko critiquer bonobi wana mena aji makambo ame mbala oyo diplomatie za niveau mususu Union européenne komina problème za divisé en deux ndeto loba ao. Il y en a qui sont contre Makambwana Nyoso, d'autres pays comme la Belgique aussi, malgré, vous comprendre, point d'interrogation, ils sont agatés. Donc, ma compagnie contre accord, wana. Alors, le débat n'est ça là qui pena mon boulot na kati Union européenne. Et logo ni sur Union européenne, bah, y a une conclusion na bango. N'ayez pas de que belle va condimenter, même gala zana doute, la conclusion. Boyo ka message ba pesi Kagame totanga bana mboka obaluba ke yindi la politique double standard de l'Union européenne sous pression suivez le message à Kagame le Rwanda doit retirer immédiatement ses troupes de la RDC cesser tout soutien au M23 et utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur ce groupe afin qu'il s'arrête et se retire des armes. Parce que dirait Canapon. Lors du débat au Parlement européen sur la situation dans les provinces de l'Est de la RDC, la commissaire chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a, au nom du haut représentant vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, laissé entendre que l'Union européenne est consternée par les renforcements militaires accrus et la montée de la violence dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, ainsi que par les conséquences tragiques que la population est une fois de plus obligée de subir. Nous nous associons à la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, du 21 février. Il n'y a pas de solution militaire à cette crise, seul un dialogue politique inclusif capable de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité et l'instabilité. La mise en œuvre intégration des décisions prises dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Bah, mon état tout se basé sur l'accord à Luanda, au lieu de qu'en habitumba. Ce qu'accord à Luanda, on a moutou na bino à kolinga yango. Coopérant na bino à kolinga yango. Intervenir na bino à kolinga yango. N'kolo ba kop à kolinga yango. L'air est grave. Alors. Le respect de la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région peut briser une fois pour tout le cycle de la violence et l'impunité, a dit au nom de Joseph Borrell.
En croix, l'Union européenne réaffirme son ferme soutien au processus de Luanda et de Nairobi et appelle à leur relance rapide. Aussi, dit-elle, les feuilles de route existantes doivent être mises en œuvre. Les mécanismes de vérification existants doivent être réactivés. L'Union européenne a une décision comme un problème sérieux. Que Kagame a retiré Batinaï, accord à Luanda est à l'appliquer dans toute rigueur, mais total à secours. Pourquoi pression est-il pour Bakangi Mouibi, Moutaï Bakanaï? L'Union européenne retient sa condamnation des actions de tous les groupes armés qui opèrent dans l'Est de la RDC. Ces groupes doivent cesser les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent, et déposer les armes, s'intégrer dans un processus de désarmement, de mobilisation, réintégration, a déclaré Jutta Heblen. Pour l'Union européenne, tous les États de la région doivent cesser tout soutien direct ou indirect aux ces groupes armés. Le Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes de la RDC, cesser de tout soutien au M23 et utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur ce groupe qu'ils arrêtent et se retirent et désarment. De même, la RDC doit cesser soutien aux forces FDLR et d'autres groupes armés et veiller à ce que sa population soit protégée. Ma kambango n'est commis. Oye bato yo ba commis un problème bandiko. L'Union européenne ne sait plus rien faire. L'Union européenne devant les marteaux et l'enclume, l'Union européenne va se débarrasser en attaquant maintenant Kagame en dernière minute. Est-ce que ça m'a dit? Est-ce que ça vraiment vérité? Dans l'air, on a zolo baba congolais, on a zolo bati. Bati kabiswa, et ça va aventure. Congolais, on a zolo babon. Allons. Ce qu'on t'a là bien, bah, continuellement, tu es Union européenne, bah, le but, maintenant, tout ça mal vu. Kagame, na armée rwandaise, bah, quitter le sol congolais. Est-ce que Monsieur Kagame va le faire? Est-ce que ce que vous dites, vous allez le faire? Chose qui n'est pas facile. Bandeko, et ça m'a quand même miné. La situation dans l'Est, Mouté simbi penoyo kaka deba na bango bazaki na olilo. Et Kagame a juste na batu na eke il faut bakiti. Est-ce que vraiment message wande ba sa Kagame za penda? Bako tia pression makasi ba loi pena ke bazo ba fey nyoso de route ya Nairobi na Rwanda ibima na mesa. Ese ko salama. Nzambe na ngai. Makambo za minene awa. Alo. Mena toyoka Thierry Mariani. Oyo a dévoilé politique à double standard na kata debo bazaki nango avant même ba décision que en tout cas Nedima Kambo reversé boy Kagame bimara batu na toyoka Thierry Mariani bongo to avance. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit deux jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'Union, dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle.
Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Donc, wana siko na katia diba. Siko tantôt talaba déclaration en boui. Oyo passe bazana politique à double standard. Bazo sala makambo oyo bazo mwa Congolais baza ko kufa. Bon bazo yo kana président Rwanda. Pas seulement na bakoro to loba. Mais bazo ezana katia ba arme pe pourtant bo pese mbonga somba ba arme. Soit disant qui va aller au Mozambique et pas ma Cambodge français il y a pétrole et tout ça. Ce n'est pas possible. Tant aux autres à ma Cambodge, talitio lobia la politique du double standard, bango ba monani. Et sa propriété. Le président rwandais a sa copie ba minerai na ndenge moko azo sala ba exportation ya ndenge moko impossible. L'Union européenne, après avoir fait tout ça, baye ko zonga sima. Mais en retard, biso père de batebele. Bande ko zagi moto yo kapene l'Union européenne divisande. Bamusu baza ko kritike kaka korwa nana sende tulandi Thierry Marianne. Akor moko honte pour la Union européenne. Maintenant, baye juste. Et puis, on s'assure qu'il y a un corps qui est là. Il dit que moi, tu n'as qu'à son capital et qu'il est là. Tout ça, c'est là. Mais il y a le bon là que ça soit papier. Je suis à mon boulot. Je suis à mon boulot. Je suis à danser côté. Alors, abonnez-vous à la. Tu es à mon chef. Si on a s'abonner, tu es abonné. Je suis à mon. Alors, ce qui est total, c'est que je suis à mon boulot. Il n'y a pas de quitter mon boulot. Ba tuwa yuki zi lengi ya ba ona ba konta ba nini. Ba banda mpe ya kala. Plizye zane. Boye kopse si umele muta viva gana u. Mute kuma na umona kali kama libela. Siku boye wakata u. Botolo yuka. Uyoka ba botolo pena kwangu za yuko lia. Ba botolo ya. Do umoni pena ke. Basa na problem. Alo. Yeme ile chef de l'Etat. Azana kati ya Brussels. Na kati ni European. Donc, ma cambo n'est pas inda kuna yaza présent sur la naba. Donc, à côté de Kagame, dona, tala, tala kande expression. Le président rwandais, ka mia nu, don aza sur le kamaro lobati. Tolobaki an. Ya tous an a président boui. Diplomatie est à bien parce que maintenant, botala ba décision zo kouya. Je sais bien, puisque c'est aussi un point d'interrogation. Est-ce que l'Union européenne a exigé à Kagame de quitter avec ses hommes? Et c'est quand va vous quitter? Est-ce que ça l'a le plus tôt possible? Est-ce que vraiment il y a la rigueur dans cette. Oui. Rigueur, pénézan. Parce que comme il y a un problème, on m'a mal vu dans le monde. Message, il y a quand même moi, on s'est raté, comme il est troublé. Tout l'a dit, Thierry Mariani. Donc, ils sont là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on trouve ça, on ma commande est comme, ma commande est comme, bah, ça a un problème. Donc, bah, on a ma commande, bah, on calate. Alors, bah, dans mon cas, t'as la dossier autour de ça, pour le moment. Et comme étant, ouyou, tous ensemble, derrière, phare de ces bendés, les koyati, tout ben, on a banguna, ouyou. L'Union européenne a connu le banaï. Ce sont les oiseaux même plumage. Mais nous, préparons notre armée. Oyo kaka, tu bêta ou bakou direct. Deko, on a des jeunes talents et d'ici. On a plusieurs personnes oyo kaba et tanga pena baza ou sakarati. Pays ou ezan a standard moko akitoko. Mais be européen ba ou sakana bisou. Tout ça n'a pas minéro mokiliza koulouka. Kaka mena rien. Les lots qui basent à l'inspection, baye panaye, on ne verra rien. Alors, donc, ça na vitesse, mon gars, ma chaîne internationale, ma moussou, ma zuba, plein de monde, et te kamie tout ça. Et maintenant, message, koui.
Que le président rwandais écoute ce message. Vraiment, bâti comme ça, tranquille. Azoa batunaye, tout ça, allez, quitte la RDC. Mais, toi, et bien, tu es un point d'interrogation, mais autant que tu comprends que. Bateau Union Européenne, déjà, situation comme au boulot. En lisant ça. Et c'est fini. Donc, au lieu de rappeler que tu es un de l'avant, il y a un moment où les Congolais sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Pourquoi tu es un peu plus tard? Alors, maintenant, bah, monique, même, bah, recours, ma, comme, et bien, tout, c'est, bah, on était, bah, européen, occident. Parce que, bah, c'est, bah, et, bah, on. Et, comme, bisson, en Afrique. Montez, donc, Afrique du Sud. Et, maintenant, bah, c'est, bah, on va quitter les sols congolais. Maintenant, c'est, qu'on salam. Et, c'est, Kagame, Akuyoka. C'est, à ce point, tu, comment, tu, premier point, tu, comment, qu'il y a un deuxième point. Chers téléspectateurs, tu commis na point na biso oye yindi na est. Armée rwandaise vraiment va commis na problème sérieux, encerclé par FARDC, SADC, MONUSCO, le Wazalendo, alors Kagame beli liboma. Batunaye ba largué kaka bombe et que nous quoi le kola ba blindé ya SADC. Et ça a fait des blessés. Pourquoi pas comme tourmenté? Bon, comme qu'on boit un bloc, tina, ba, stationnement, bloc, et terminant. Mais bonjour, mon affaire de ça, bonjour, qu'on a bangouti. Bah, comme une assoucre. N'dengue, bazar, n'a donc, bah, colline, bon, bazar, pena, bah, tout ça, singa, singa, n'a bangou. Bah, qu'on bouge, ti. N'ambala, oyo. Parce que le candidat qui a sili sa bonne colline, wana. A drone, bah, si quoi, quitter la bonne, qu'on boit ma bonne, on y a, bah, batami, batami, wana. Alors. So, mon imoutou, bah, comment ça, là, bah, sabotage. Parce que, arme, wana, comment sabotage, parce que, bon, cible, nani. Bah, on va, ça, là, n'y a, ça, bah, décourager SADC. Et à tactique à présent, wana. Parce que ça n'est qu'à une mission, monsieur, bah, on va ça contre Bango. Bon, ça contre Fardé, c'est bon, t'y qu'à ça n'est qu'à battre. Au monde, bon, ben, liboma. Parce qu'ils ont entendu. La République sud-africaine a dû décision. Bah, Tinda écoute déjà. Yango, Bambongo et tout ça pour n'abattre Nabango. 2 milliards de rands. 105 millions de dollars. Pour n'en dire pas ça, la RDC pour une année. Si qu'on saute au tal à Biloga, vous avez monté à la bande de co. Ma camoto zoloba. Président Rwanda a un problème pour le moment. Même Kop na iso salam, n'dengue zaïko salamati, il était libre pendant plusieurs années. C'est qu'à l'arrivée du président Félix, n'a commis un problème. Pas ce bisoto récupéré Mboka. Alors, il y a le colossal esprit ni moko expansionniste. A mon cas, qu'il y a un zéla wana. Nzéla au pays, à ce qu'il y a un avancé. Bah, qu'on compte qu'on zonga l'issus. Mais maintenant, bah, en cercle, bah, en haut. Allez. Bah, tout le monde, bah, mon cas, moi, il était allé. Bah, largué bombe. Parce que, bah, ça, on a un problème. Situation où désolé qu'on a est ce que les Congolais n'ont sur conscience vraiment évanda. Et ça là. Ils sont dans une colline là-bas, qu'on a payé le sac quelque part là-bas, mais si. Ils ont largué cette bombe. Et ils ont été blindés. Mais là, ils ont été blindés. Ils ont évité sur les cibles. Ils ont été blindés. Ils ont dire que je suis pas tout ça. Donc, il y a un problème sérieux, même où il y a un peu de drone, il y a un bisou. Si le talibé bisou, il y a un avancé, il y a un misalawan. Mais, l'autre, il y a un peu de bâtiment, il y a un ensemble pour attaquer Tata Oum. Ah, ça, très méchant. Donc, il s'en fout. Il y a occupé Rwanda. Il y a un peu de temps pour nous battre pour nous.
Parce que quand on a fini, on va très très bien se faire trahir Mboka. Alors maintenant, il y a une délégation à Sadek, Bazana, Nord-Kiv. Bayaki, bon, on a pendé Bakir, Bango. Alors, si on saute au Tala, ils ont largué cette bombe pourquoi? Pour décourager la Sadek. Bayebi ke bato bazana mbamba ya kotindika bonti ba kite SAEDIS total. ED-M23, c'est que déploiement de la SADC au front à Sake et à Nirango. Des véhicules blindés de la SADC ont été touchés ce jeudi 29 février dans la matinée par des bombes dans la cité de Sake. Groupement de Kamonza dans les territoires de Masisi. Le bilan de cette explosion fait état de 2 personnes blessées et un civil et un militaire. C'est aux environs de 11h locales que les 2 détonations ont été entendues. Non loin du point de péage, route au rond-point sur l'axe Kichanga, dans la cité de Sake, rapportent plusieurs sources locales. Probablement, les 2 projectiles en provenance des pics de la colline Kiwili, occupés encore par RDM-23, ont visé les véhicules blindés de la mission de la SADC du contingent tanzanien stationnement. Les mêmes sources confirment que les soldats tanzaniens étaient en mission de reconnaissance dans la zone. Le bilan encore provisoire de cette attaque fait état de 2 personnes blessées par les éclats de bombes et la situation sécuritaire reste toujours imprévisible autour de la cité de Sake, contrôlée par l'armée et ses partenaires à la cité de Sake. Les partenaires de la MONUSCO et de la SADC. Toutefois, ces informations ne sont pas encore confirmées par l'armée, ni la SADC, ni Rwanda. Donc, surtout au Talamena, parce que dans le Nord Kivu, opération Zakako Salama, Konzina Bango Baye, Kotala Basoda sur le terrain, donc comment appuyer Ninue Salam. Alors, Bandeko, Tolanda extrait Oyo, bon auto avance. Au Nord Kivu, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés aujourd'hui, en fin de matinée, par 2 bombes dans la cité de Sake, dans le groupement Kamuronza, territoire de Masisi. Le bilan de cette explosion fait état de 2 personnes blessées, dont un civil et un militaire du contingent tanzanien. Le point avec Gabriel Wamenya. C'est aux environs de 11h que les 2 détonations ont été entendues non loin du point de péage route au rond-point sur l'axe Kichanga dans la cité de Sake, affirment plusieurs sources dans la zone. Probablement, les 2 projectiles en provenance du pic de la colline Kiuli, occupés toujours par les rebelles du M23, ont visé les véhicules blindés de la mission de la SADC du contingent tanzanien en stationnement. Les mêmes sources confirment que les soldats tanzaniens étaient en mission de reconnaissance dans la zone. Le bilan encore provisoire de cette attaque fait état de 2 personnes blessées, dont un militaire tanzanien et un civil touché par les éclats des bombes. La situation sécuritaire reste toujours imprévisible tout autour de la cité de Sake, contrôlée par l'armée et ses partenaires, dont la MONUSCO et la force de la SADC. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolani Bissonion, Sokoma, Bateau, Monde et Bazar. Bataba trouble, mais ba souki. Parce que na kade diplomatie, bataba du pene chèque, fati pene gagne ba. Mais l'autre zota la souko eza que, to atteindre mena but, oba kongole ba lingi. Ki parti on a nyon souza la pacifier bataba monanati. Soko zota la ba stratégie ya, ba voisin, ba Rwanda, Ouganda et tout ça. Ba kota deja na biloko na bon lera sa leria EAC EAC abima bopam nango a kontrole Uganda mawa kuna frontiere mutu na biso azati yango tina so tala makambo e komika atamu nyonso atelema aloba non trop c'est trop présent Rwanda atika chose oya kolinga te batika bango kaka tamba non. Bolana ki ba wazalenda to tsela bino eksiona. Bazai be termini. Alors, sikoyo soko zo tala dossier yo o mona clairement été
bateau ba comme un problème mais l'Occident. Arrivé à la SADC, SADC quoi sur l'Afrique du Sud, a parti à BRICS. BRICS avait Russia et ba pe Chine, mais ba besoin au Canada, ya ba s'allier en Afrique du Sud. Mais ba européen, na ba Union européenne, ba ba tikali na na États-Unis, ba allier na ba. Bateau ba ça la bisoba boy. Non. Alors, Banamboka, nous devons être totalement debout pour le peuple congolais. Et le peuple Oyo a quand même un singe à vie. Pour ce talo bien, bien. Non. Chers téléspectateurs, citation Tozanango, ils ont singe à bisognon, Tozan ensemble. Au moni, kakame, ba blende, kakabe, ananon des ok, na front, tout ça. Ba moni renforcement, ba mba largue bombe. Ba bombo ane zouk sa kapene ma kasi mem ka atu se e bombe batu. Siko yo, bozo mwona teke prezant Rwanda komi na situation si difficile. Pase plan a ye zale ke pso na kigamba mwona ozo masisi, baze ilo kote. A ye pe na koutani na souka na resistance. Demitura, malgré ba teki teki ba plan. Ba pesi pesi ba plan yo se pane po kongole, pesi mbonga ya abimisi ba sekre tout ça. Mais ils n'ont pas pu reçu. Nous sommes là. Tout est le mépanamboka. Il y en a sa Congolais, nous se lève toi. Ce pays vous appartient. Alors. Donc, ce moment a clairement été. Et c'est fini pour la banque. Alors. En ce point, pays est que tombe à ma bise, nous sommes. Pas cet là. Il y a un président rwandais. Azama y est le ming. Na kuta ni pena fachi le sage. E pana ba on pena don ba obi maloka biso wa to onyo kola ba on kutu. Njwande ye muta zo sala bo. Don e zo sala na mawa. So tali on be abatu yo. Quel complot international. Mais ba zana problem paske. Na zo mwona telu ba o. Ba o kukandeni. Bande ko. Sa ke bende vandi. Blendi. Au moins, il y a des wikotes, au moins, il y a des chars de combat. Ba monika ka ba chars de combat, na ba ndeko modèle wana en Chine. Ba monika ndeko Russie. Si ko ba mona ndeko ba lui te yawa, et sinon, to bo aka éponge. Ba sole si la. Donc, so otali, eza makama ko saka na mouti. Yon tozo senga na mouti nyonso, Congolais. Bato nyoso na ba sabone te po sabone tu akaba message a kitoko. Alo, bandeko. Ndenge to tangi wana, omona clairement eti ki a quelque chose qui se passe au Nord Kivu. Donc omona pe na délégation na bango yi. Délégation wana. Ya osaka na te don zo mona clairement eti. Ma kamoza mene peut-être zale po ba lancer offensive. On ne sait pas. Mais, il le côté yébéza été. Ma kambo tout. Et au koma nango yo kaka. Donc, et comme nango histoire. Nous allons gagner cette guerre. Pays oyo so tali. Yango ba dike bima pesa. Laurent Désiré Kabila. Faut voler ya kota ki a kota ki na batibili. Et tali l'autre zo sunga bango. Alors, nous devons nous mettre ensemble. Pour combattre l'ennemi. Et, gagner cette guerre. Derrière notre armée. Mais solo qui toko, mais toko gagne bitumba ou. Banamboka, et l'autre aussi n'a bien kaka moko, s'abonner. Alors, to baneko comment on a fait mission. Bon, continuez à partager. Bon, s'abonner. Au revoir. À la prochaine.